Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour faire un petit haul. Je suis allée hier à Tours faire les magasins, j'ai acheté quelques petites pépites. J'ai fait franchement pas beaucoup de magasins et pas beaucoup d'achats non plus. C'était pas du tout prévu, clairement ça s'est fait la veille à 23h et on est parti le lendemain à 9h en gros. Du coup j'ai fait seulement New Yorker où j'ai acheté des choses, on a fait aussi Ikea, on a fait Zara, Bershka et tout, mais j'ai acheté vraiment que à New Yorker. Du coup ça va être plutôt un petit haul, enfin petit parce que j'ai fait qu'un magasin, mais j'ai pas acheté que 2-3 trucs. C'est ça aussi, c'est que New Yorker vous me connaissez un peu, vu la miniature et la taille du sac, vous avez compris que j'avais acheté quand même pas mal de choses. Du coup bah, je suis là pour tout vous montrer, j'espère que ça va vous plaire et puis bah, let's go. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'un petit produit que j'ai reçu gratuitement. Attention, donc c'est un partenariat, si ça vous intéresse pas vous pouvez avancer un petit peu la vidéo pour voir mes achats. Donc c'est un partenariat avec la marque TTD Eye, donc en fait c'est une marque de lentilles qui m'a envoyé donc 4 lentilles gratuitement pour vous en parler dans ma vidéo. J'ai pris 4 couleurs différentes, donc il y a des couleurs un peu bleues, il y a du jaune, je vais tout vous montrer de toute façon. Du coup donc j'ai reçu ça là dedans, donc j'ai les lentilles, c'était un petit cadeau, donc c'est un petit miroir comme ça, donc ça c'est bien. Après donc on avait 4 petits étuis comme ça, donc à lentilles. Dedans en fait tu mets les lentilles, et en fait les lentilles tu les reçois dans des petits sachets comme ça, je sais pas si on voit bien. Dedans donc t'as le sérum fini normalement, enfin le produit spécial pour les lentilles. Du coup en premier on a celle-ci, c'est des un petit peu jaunes, je vais vous montrer de plus près, je sais pas si vous les voyez bien, ouais je pense que là vous les voyez bien. Donc là c'est un petit peu des jaunes, mais bref de toute façon vous aurez des photos portées de toutes les lentilles, vous aurez aussi le lien en barre d'infos donc avec le site etc etc. Du coup voilà, elles sont quand même assez simples à appliquer, enfin à mettre, moi qui en avais de base jamais mis avant que je reçoive des lentilles déjà depuis quelques jour on va dire, mais je trouve que c'est quand même assez simple de mettre des lentilles en vrai, bah tout ton œil tu le mets, je sais pas, je trouve que c'est assez simple. Après moi je suis pas douillette des yeux, genre je peux mettre les doigts dans les yeux et tout, ça me dérange pas. On va donc maintenant passer à mes petits achats, donc mes achats New Yorker. J'ai un sac qui est plutôt énorme, je vais vous dire pour combien j'en ai eu tout de suite, comme ça c'est fait, voilà, moins c'est dit, donc j'en ai pour 210 €. Voilà, mais je m'étais fixé un budget de 300 €, j'ai fait un seul magasin, on a fait quand même Ikea, on a fait Zara, on a fait Bershka, on a fait quoi d'autre, et j'ai quand même acheté que à New Yorker. Mais après voilà, Ikea, j'ai pas acheté tout de suite, c'est volontaire, puisque de toute façon moi je vais y retourner avec mon chéri plus tard. Donc en fait on y était avec ma soeur et son chéri, on était tous les 4 en fait, c'était sympa, voilà, c'était vraiment cool, c'était drôle et tout, bref. C'était bien. Et on va y retourner plus tard avec mon chéri, avec le camion de mon père, c'est un camion un peu plus grand qu'une voiture, pouvoir mettre des meubles, des trucs comme ça et tout. Parce que les gars, ça y est, je pense que j'ai trouvé ma maison. J'ai fait une visite l'autre jour, comme je vous l'avais dit. J'ai beaucoup beaucoup aimé, donc j'ai fait une offre d'achat. Donc maintenant, j'attends qu'elle soit acceptée, puisque j'ai quand même pas mal négocié le prix. Donc on va voir si c'est accepté ou pas, tout va suivre son chemin. Donc voilà, je touche du bois, alors vous verrez cette vidéo. Peut-être que ce sera accepté, peut-être que tout ça, bref. Voilà, je suis contente en fait, vous pouvez pas savoir. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup, Ikea, j'y retournerai. Désolée, hein, mon chéri fait que tousser, il est malade. Voilà, super, la nuit, c'était horrible. Clairement, à 21h, on s'est endormi et pff, il a toussé toute la nuit. Mais vraiment, j'étais au bout de ma vie. Très mal dormi, c'est pas grave. Voilà, tu décernes, les gars. Heureusement qu'il y a l'anticerne qui existe. Hein. Écoutez, du coup, mes achats New Yorker. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis ça, mais je vais vous montrer quand même. Déjà, j'ai acheté pas mal de jeans bleus. Alors, des jeans bleus, en fait, style un peu wide leg et tout. J'en avais pas trop. Clairement, genre, j'en avais un que je mettais tout le temps d'H&M. Et du coup, là, je me suis dit, j'allais en racheter. Alors, au niveau des tailles, il y a du XS et du S. Ça dépend un peu des modèles, ça dépend de plein de choses. Bon, on va commencer par le premier. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, il est comme ça. Donc, celui-ci, donc c'est une taille XS. Je l'ai payé 29,99 €. Donc, en vrai, il est quand même assez basique. Je vais vous montrer un petit peu de loin ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup. Il a donc des trous au niveau des genoux, au niveau des deux genoux. Et il est quand même assez, assez évasé. Enfin, il est beau. Bon, je vais vous le montrer porté tout de suite. Au moins, comme ça, je pourrais enlever mon petit jogging rose parce que, bah... Voilà, bref, je vais vous le montrer porter, mais il est vraiment trop trop beau. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne, je vais me reculer un petit peu. Alors celui-ci au niveau de la taille, donc c'est un XS. Alors il est quand même un tout petit peu large ici, mais franchement ça va. Après par contre pour passer les fesses, c'est un peu chaud au niveau des cuisses, il est un peu serré. Après il est un peu long au niveau des pieds, donc je vous montre ce que ça donne. Il est un petit peu long au niveau des pieds, mais je me dis éventuellement avec des petites baskets et tout, enfin ça me gêne pas, c'est pas très grave. Ça ira dessus et tout. Bref, voilà, je le trouve vraiment hyper beau. J'aime trop. Il taille bien. Il taille bien, donc je suis quand même contente. On va passer donc au prochain jean. Gros, gros coup de cœur. Mais vraiment, il n'y avait pas ma taille. Il est un peu grand, mais honnêtement, je le voulais trop. En gros, c'est un jean bleu comme ça, basique. Donc celui-ci, c'est un taille S. Il n'y avait pas de prix. Je sais pas combien je l'ai payé. Je dirais 30 €. Mais regardez. Regardez ce qui est trop, trop beau. T'as une jambe comme ça. Dragon. C'est vraiment trop beau. Attendez, j'ai le ticket de caisse.
Regardez le tic. Quel casque, comment il est super long. Alors attendez, j'ai payé 29,99, c'est ça. Jean Dragon, ils l'ont appelé. Mais il est trop trop beau, vraiment. Je vais vous le montrer porté pour voir ce que ça donne un peu. Mais je suis trop fan. Avec ça comme ça sur la jambe, c'est trop magnifique. Donc voilà pour le deuxième jean. Donc je vous montre. Alors donc celui-ci, donc c'est le S. Il est quand même un peu plus grand quand même au niveau de la taille. Après en vrai de vrai, et entièrement avec une ceinture, ça passe. Après au niveau des cuisses, il est vraiment bien. Et regardez du coup le dragon, comment c'est trop magnifique. Alors pareil, ça traîne un petit peu par terre, mais je me dis éventuellement avec des chaussures, voilà, je leur monte un petit peu et tout. En vrai ça passe, mais franchement je le trouve vraiment trop trop beau, j'aime trop le dragon comme ça, voilà, j'aime trop. Donc ce jean, trop contente, j'ai refait quand même un bon stock de jeans, donc ça c'est cool. Du coup dernier jean, c'est le troisième et le dernier, du coup c'est un comme ça, il est super beau, donc celui-ci c'est un XS aussi. En fait c'est quand même plus ma taille XS, mais S c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Du coup celui-là je l'ai payé par contre 24,99€, donc c'est un peu mieux. Du coup c'est un XS, j'aime beaucoup, donc au niveau de la couleur, c'est un petit peu délavé, c'est pas le même bleu, il est géré, il est un peu plus foncé. Mais surtout ce qui est trop magnifique, c'est qu'il y a des petites fentes au niveau du bas. Comme ça il y a des fentes, donc c'est trop beau. J'espère dans la vidéo vous allez pas faire que entendre mon mec en fait en train de tousser, parce que ça va être insupportable. Bref, du coup je vais vous montrer ce que ça donne porté, mais franchement je l'aime vraiment beaucoup beaucoup celui-là aussi. Bon donc là je vais vous montrer le troisième jean, j'ai mis des talons, du coup je suis un peu plus haute pour vous montrer bien en fait. Parce que genre je vais montrer à mon mec qui me fait il y a pas, parce qu'en fait j'étais avec lui hier mais je vais pas montrer mes achats parce que j'étais avec ma soeur dans la cabine, donc je vais montrer à elle directement. Et en gros du coup voilà ce que ça donne, donc déjà j'aime beaucoup la couleur et en fait avec les talons ça fait super beau. Regardez, je me recule mais avec les fentes et tout, je trouve que ça fait super beau comme ça, enfin je sais pas, j'aime trop, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui, je regarde dans le retour, je pense qu'en vrai vous voyez tout, mais franchement j'aime bien, je trouve qu'il est super beau. Genre tu mets ça éventuellement avec un petit haut basique et tout, et tu mets un blazer avec, c'est vachement beau, voilà j'aime bien. C'est bon, j'ai tout sorti de mon sac du coup. Alors on a une petite brassière de sport grise, alors à New Yorker je prends toujours des brassières de sport. Je l'avais déjà du coup celle-ci en blanche, en noir, en violet, en bleu, et maintenant je l'ai en grise, j'avais pas en grise et ils en ont fait une grise. Du coup voilà c'est cool, celle-ci je la mets tout le temps, enfin je l'aime beaucoup ce modèle, donc voilà, et je les prends en taille M comme toutes les autres. Donc voilà, elle me va bien et elle a coûté 9,99€. Donc voilà. On continue dans toujours ce que je vais pas vous montrer porter en fait, donc c'est des petites chaussettes comme ça. Alors je les ai quand même payées 5,99€, il y a deux paires, enfin 6€, donc ça fait 3€ la paire. Donc c'est ma taille, hein. C'est donc du 35-38. Et alors il y en a deux différentes. Il y a celle-ci, donc t'as ça comme ça et tout, c'est beau. Et t'as celle-ci avec les flammes. Voilà, j'aime bien. Je l'ai trouvée belle. Et quand je vais à la salle et je mets des shorts, quand je fais par exemple les jambes, j'aime bien mettre des chaussettes hautes avec mes Air Force plates. Quand je fais les jambes, tout ça, j'aime bien. Du coup, j'ai pris celle-ci aussi, donc 4,99€. Et donc celle-ci, donc t'as du rose clair comme ça et du bleu. Donc en 35-38 aussi. Et les dernières, 35-38 aussi, c'est quasiment les mêmes, mais en rose très clair. Vous voyez ou pas? Ouais, voilà, rose et bleu clair. Donc voilà, et 4,99€ aussi. Donc voilà, 3 paires de chaussettes. Enfin, du coup, il y en a 6. Donc voilà, c'est bien. Je vais continuer avec deux fois la même chose. En fait, c'est un haut de sport. Donc j'avais déjà le noir. Et du coup, j'ai pris le blanc. En fait, j'ai pris pour moi et pour mon mec. Donc celui-là, c'est le sien en M. Donc 12,99€. En gros, voilà comment c'est. Voilà, et puis donc il y a le mien, il est juste ici, et c'est donc un XS. Moi j'ai pris XS, donc pareil, un 12,99€. Je l'ai essayé, voilà, de toute façon c'est pour faire du sport, hein. Il est assez ample. Je vais vous montrer quand même vite fait porter, mais j'aime beaucoup ça pour faire du sport. T'es vraiment bien dedans, et j'aime bien quand on a la même chose, je trouve c'est mignon. Du coup voilà pour le petit t-shirt, bon c'est vraiment basique, hein. Il est vraiment simple et tout, mais moi j'aime beaucoup ça pour le sport. Donc voilà, c'est vraiment simple, c'est un truc de sport et tout quoi. Mais avec genre un cycliste, ça j'aime beaucoup porter ce genre de choses. Et ce qui est bien, c'est que t'es obligé de te raser, ça se voit pas, donc c'est cool. Bref, on va passer à la suite. J'ai un petit sweat noir à vous montrer. Je l'ai pris donc du côté des mecs et c'est un sweat vraiment tout basique. Mais je vous explique pourquoi j'en ai pris un. J'avais pas de sweat noir à capuche tout simple. Le seul sweat noir que j'avais, c'était celui avec écrit fuck là que j'avais acheté la dernière fois. Et en fait, j'en voulais un noir tout basique parce que j'ai une idée de tenue magnifique, avec un jean noir, un sweat noir et ma veste marron sans manches, je sais pas si vous la voyez. Bref, mais bon, donc j'ai une trop bonne idée de tenue. Du coup, il me fallait un sweat noir. Donc là, je l'ai pris au rayon homme parce que j'aime bien, ils sont plus larges et tout. J'ai pris une taille S et je l'ai payé que 16,99€. Donc ça va, c'est un sweat noir vraiment tout basique avec la capuche, mais vraiment large. Je vais vous montrer porter, mais je suis trop bien dedans, vraiment. Je l'aime trop trop trop. Donc voilà pour le sweat ce que ça donne, hein, vraiment basique, il est noir et tout. Bon, il est long, mais bon voilà, avec le jean là, on s'en fout, c'est pas avec ça que je veux le mettre en général. Et puis voilà, vous avez la capuche, je suis trop bien dedans. Il est hyper long, genre en vrai, il est vraiment long, mais moi j'aime trop.
Je sais pas, je le trouve trop bien. Je suis trop bien dedans, il tient hyper chaud et tout, donc ça, trop bien. Il nous reste donc deux petits achats. Là, j'ai envie de vous montrer une doudoune, les gars. Elle est vraiment trop magnifique. Regardez-moi cette doudoune. C'est une doudoune verte, mais elle est canon. Je l'avais vue sur Insta. C'était une fille qui montrait donc les nouveaux arrivages à New Yorker. Et j'en ai pas un dans ma ville, mais je me suis dit, mais cette veste, elle est magnifique. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais il me la faut. Je sais pas s'il y avait d'autres couleurs, je suis pas sûre. Mais moi, je la voulais en vert, vraiment, j'adore le vert. Du coup, je l'ai payé 29,99€, je l'ai pris en taille M. Je crois qu'il restait soit M, soit L, soit XL. Du coup, je me suis dit, on va prendre la M. Et attendez, je vous montre porter ce que ça donne. Mais elle est vraiment, vraiment trop magnifique. Après, voilà, elle est oversize, mais c'est l'effet que je voulais. Donc moi, ça me dérange pas. Je vais baisser ma capuche, ça fera mieux. Mais regardez comment elle est trop belle. Voilà, je la trouve trop trop belle. Alors, pas avec cette tenue, ça le fait pas trop. Mais éventuellement, avec une tenue full black et tout, tu mets cette veste verte comme ça. Moi, j'aime trop. Franchement, j'aime trop 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 cette doudoune. Je sais pas, je la trouve trop belle en fait. Alors, il y a juste un truc qui me dérange là, c'est ça. Après, en vrai de vrai, moi je l'avais essayé en attachant là et en les cachant en dessous. J'avais fait comment? J'avais fait, je crois, un truc comme ça. Je crois que ça se voyait pas. Enfin, je sais pas, là je vois dans le retour caméra. Mais voilà, en tout cas, je la trouve vraiment trop belle. Elle tient hyper chaud et elle est grosse et tout. Non, mais j'aime trop. Tenue full black avec ça, c'est incroyable. Genre là, déjà comme ça, le haut, c'est beau. Bon, là, pas avec le jean, mais ouais, avec un jean noir. Vraiment. Magnifique, donc j'aime trop cette doudoune. Et du coup il nous reste une seule chose, c'est une robe. Du coup faut que j'enlève tout pour vous la montrer, mais attendez, je vous la montre déjà comme ça. Elle est tellement magnifique, regardez moi ça les amis, regardez. Alors pour Noël ou pour le jour de l'an, je sais pas trop encore, mais elle est trop magnifique. Il faut une robe comme ça de toute façon de chez nous. Donc déjà t'as les petites épaulettes, je l'ai payée 24,99€ en taille 34. Et en gros c'est une robe comme ça avec un grand décolleté V. Elle est magnifique, vraiment elle est trop belle. T'as une fermeture dans le dos. Je vais vous la montrer portée, on se rendra mieux compte. Mais elle est magnifique, elle est incroyable. Je la trouve trop trop belle, donc voilà. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Je vous la montre du coup, voilà pour la robe. Regardez comment elle est magnifique. Elle est trop belle. Voilà, elle est vraiment trop trop canon. Vraiment je l'aime trop. Donc elle arrive un petit peu au-dessus du genou. Elle est assez courte, mais après voilà, elle est quand même très très moulante. Moi j'ai pris une 34. J'aurais pu prendre une 36. Parce qu'il faut pas que je respire. Si je la mets à Noël, clairement, je mange pas. Je regarde tout le monde manger, mais moi, non, je peux pas manger. Hein. Non, après, voilà, elle est très, très, très moulante. Elle est assez séraxe. Là, si tu veux faire la fête avec, clairement, tu peux pas trop écarter les jambes. Bon, après, t'as pas besoin d'écarter les jambes, mais genre pour danser ou quoi, je sais pas si je vais être hyper, hyper à l'aise. Mais après, elle est jolie. Elle est vraiment très, très belle. J'aime beaucoup les épaulettes. Après, voilà, elle est vraiment. Elle est canon, je dis pas, tu vois. Mais. Pour Noël, alors t'en mets une autre tenue quoi. Limite, tu la mets au début, tu dis bonjour tout le monde, je vais me changer. Non, elle est quand même trop belle, franchement, je l'aime trop. Voilà, du coup, c'était tout. C'était là le dernier article de mes achats. Regardez le ticket de caisse, donc c'est tout, hein, 208,88€. C'est pas mal. Franchement, je trouve qu'on est pas mal. Hein. On n'a pas fait trop d'abus, mais voilà, donc c'est la fin de la vidéo. En tout cas voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bah, mettre un petit like et puis bah, vous abonner, commenter, etc. Si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais de gros gros bisous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne à 10h. Ciao, bye.